Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel essai Ellipse Auto. Aujourd'hui, nous essayons un Kia. Nous essayons le Kia EV9. Vous voyez, c'est marqué dessus, 100% électrique. Chez Kia, c'est lui le patron. C'est le sommet de la gamme, la vitrine technologique de la marque Kia. Présentation. Et oui, il est enfin arrivé ce magnifique Kia EV9 100% électrique. Il est un peu seul au monde puisqu'il propose un habitacle et une habitabilité hors normes. Kia a frappé très très fort encore cette fois. Alors bien sûr, son design est un peu clivant, mais il faut le voir en vrai pour vous apercevoir du regard des badauds et des gens qui puissent monter à l'intérieur pour se rendre compte de l'exceptionnelle qualité de ce véhicule. On va le voir ensemble, je vais vous décrire le véhicule dans ses dimensions et après nous ferons un essai routier. Alors parlons tout d'abord design. La logique stylistique de Kia est parfaitement respectée dans des dimensions très impressionnantes, mais on retrouve les formes cubiques ici, accentué par ces arches de roues qui ne s'embêtent pas. Ici, on est sur une forme rectangulaire. Regardez, admirez ces magnifiques jantes très, très uniformes et planes pour favoriser l'aérodynamisme, bien sûr. Et puis, bien sûr, ce Kia EV9 fait tout de même 5 mètres de long. C'est normal, il peut loger jusqu'à 7 passagers. Donc, il faut quand même pouvoir loger tout le monde confortablement. Au niveau de la largeur, il fait 1m98 hors rétro. Et au niveau de la hauteur, on est sur 1m78 avec les barres de toit. Donc un véhicule quand même imposant, statutaire, avec un style comme vous pouvez voir à l'arrière, avec cette ceinture de caisse relativement basse, ce qui va augurer à l'intérieur une bonne luminosité. Et puis ici, on monte ici avec cette arche qui va en fait élancer la partie haute du véhicule pour lui donner encore plus de dynamisme. La version que je vous présente aujourd'hui est la version haut de gamme en GT Line. La capacité de batterie de 99 kW en termes de recharge. Vous pouvez le recharger sur une borne en courant continu en 210 kW et en courant alternatif en 11 kW. Donc, son autonomie, très simple, vous pourrez faire entre 450 et 500 km en réel sur autoroute, donc aucun souci. Après, ça va dépendre de l'allure que vous allez imprimer, bien sûr. Mais par contre, effectivement, sa capacité de charge étant très rapide, ça vous permettra de faire des arrêts relativement courts. Sur un superchargeur, vous pourrez donc récupérer de 10 à 80% en seulement 24 minutes, ce qui est vraiment très bien. Passons à la partie intérieure, et là, c'est la surprise. Effectivement, voyager à plusieurs dans un véhicule jusqu'à 7 passagers, il n'y a rien d'extraordinaire. Sur un véhicule électrique, le V9 est un peu seul au monde, mais par contre, quel habitacle, quel environnement Kia nous propose encore aujourd'hui. Vous allez pouvoir admirer cet intérieur, mais aussi voyager dans un confort exceptionnel. Nous pourrons le vérifier dans quelques instants lors de l'essai. Je vous invite à pénétrer à l'intérieur, notamment la partie conduite tout d'abord, et ensuite nous ferons notre essai routier. Alors ce magnifique Kia EV9, c'est l'invitation à voyager, mais c'est aussi l'expérience de conduite réinventée par la marque Kia en véhicule électrique premium. Les sièges sont extrêmement confortables et en plus il y a un ajustement au niveau des matières écologiques qui sont sur ce véhicule, donc pas de cuir mais du synthétique. Et puis sur les appuis-têtes ici, c'est extrêmement doux, ils ont mis un petit revêtement en tissu qui est vraiment des plus agréables. Donc tout est douceur, volupté. Au niveau de la conduite, tout tombe naturellement sous la main. Une tablette pas trop gigantesque avec les informations essentielles, le système embarqué multimédia Kia qui est absolument parfait, et les aides à la conduite que nous allons pouvoir vérifier dans quelques instants. Une clarté et une luminosité impressionnantes ici aux places arrière avec ces magnifiques toits panoramiques en deux parties, les aérateurs, l'éclairage en LED et puis cette ergonomie absolument impeccable pensée pour le voyage et le confort. Ici, vous pourrez mettre votre veste pour voyager. Vous avez tous les éléments connectés derrière les sièges qui vous permet également de mettre votre téléphone. Une petite tablette ici ajustable qui tombe naturellement sous la main. Et puis au niveau des contre-portes, vous allez retrouver les sièges ventilés et chauffants même à l'arrière. Alors franchement, ici on est en classe première classe dans ce EV9 pour voyager. Franchement, aussi bien à la place conducteur qu'à la place passager, on sera absolument dans une ambiance exceptionnelle. Passons à la partie chargement, très important. Voyager confortablement pour les passagers, ça a beaucoup d'importance, mais il faut pouvoir embarquer tous vos bagages. Là, nous avons fait exprès de laisser nos affaires en configuration donc 6 places. Vous pouvez constater qu'il y a tout de même une bonne capacité puisqu'on est sur 312 litres dans cette configuration. Et si vous êtes sur une configuration avec la dernière rangée rabattue, on monte à plus de 800 litres. Donc c'est une véritable soute. Et au-delà de 2300 litres,
pardon, sur une configuration tout rabattue. Donc c'est vraiment exceptionnel. Il est temps de prendre la route avec ce magnifique EV9 pour notre essai routier. Vous voyez, les poignées affleurantes se sont déployées. Très facile pour s'insérer à l'intérieur. C'est parti, prenons le volant. Alors ce Kia EV9 est imposant, mais tout est fait pour faciliter ses manipulations et pouvoir également le garer facilement. Ici, petit zoom sur les caméras. Vous allez pouvoir constater l'efficacité du système embarqué qui est assez exceptionnel avec une vue 360 avant, arrière et latérale. Du plus bel effet et extrêmement efficace. La rétrovision est excellente aussi grâce aux surfaces vitrées qui descendent bien bas et des rétroviseurs qui sont vraiment immenses. Prenons la route immédiatement. Alors là, sur cette version, nous avons 4 roues motrices donc pour faire face à toutes les conditions climatiques et d'adhérence. Et puis 385 chevaux en tout électrique avec la puissance percutante du couple instantané de l'électrification, vous n'aurez aucun souci dans le trafic ou pour pouvoir vous dégager également. Le 0 à 100 étant réalisé en 5 secondes 3, c'est absolument spectaculaire. D'ailleurs, on va tout de suite faire une petite accélération. Allez, c'est parti. Et tout se fait dans une relative souplesse, c'est-à-dire que la force est tranquille, mais elle est vraiment efficace. L'objectif de Kia, c'est vous offrir vraiment un confort ouaté, confortable également. C'est la première fois que j'essaye, et pourtant j'ai essayé beaucoup de véhicules, un véhicule électrique aussi confortable en suspension. C'est juste hallucinant. Je ne sais pas exactement quel type de suspension embarquée ils ont mis dans le véhicule, mais la filtration est vraiment extraordinaire, malgré les jantes de 21 pouces. Alors au niveau des aides à la conduite, je n'ai jamais vu ça. Alors vous avez des signaux sonores qui peuvent être un petit peu entêtants pour certains d'entre vous, mais on s'y habitue assez facilement. Donc vous avez des aides à la conduite en termes d'information, mais également en termes d'intervention qui vont pouvoir vous permettre de rouler en toute sécurité et parer au pire si des fois le véhicule a besoin de freiner si vous avez manqué un obstacle. Le contrôle d'angle mort est également asservi à une caméra qui vous permet de voir ce qui se passe également sur le côté et vous empêchera de mettre un coup de volant si toutefois un véhicule se trouve dans votre angle mort. Au niveau du système de contrôle que le véhicule va vous permettre d'avoir, c'est un contrôle de vous à l'intérieur du véhicule. Alors c'est un système SOS qui va observer votre regard et qui va vous avertir que vous êtes trop distrait ou que vous ne regardez plus en face de vous au niveau de la route. L'objectif de ce EV9, c'est vous offrir le meilleur en termes de sécurité et de confort. Et là, on le ressent vraiment, les ingénieurs de chez Kia sont allés très très loin. Ça paraît surprenant au départ. D'ailleurs, je vous invite à faire un essai routier de ce véhicule en compagnie d'un de nos commerciaux qui vous permettra de voir toute l'étendue en fait, de ce contenu en termes de sécurité et de confort que ce Kia EV9 peut vous offrir. Ce Kia EV9 est absolument spectaculaire. Vous ne passerez pas inaperçu de par son esthétique, bien sûr, mais ce qui est le plus incroyable, et je vous invite à le découvrir lors d'un essai, c'est sa conduite. Le compromis en termes de confort est juste hallucinant. La qualité de son amortissement, mais également la partie motorisée avec ses 4 roues motrices et ses 385 chevaux. Bien sûr, vous avez des performances absolument impressionnantes. Et ce Kia EV9 est bien sûr disponible à l'essai. Donc venez l'essayer dans un des garages Kia du groupe Ellipse Auto. On accueille un nouveau garage à Vesoul. Donc n'hésitez pas aussi à vous rendre dans cette concession pour pouvoir le découvrir. J'espère que vous avez passé un bon moment, n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai.